May I have your attention, please? Avec Noël et les fêtes qui s'en viennent, j'en profite pendant que ma blonde, elle est partie en Floride pour Noël. Et moi, de mon bord, il y a une raison pourquoi que j'ai pas fait de vlog, tout simplement parce que j'ai énormément travaillé. Travaillé en énergie, pas nécessairement en temps, mais beaucoup en énergie. La raison 1, c'est qu'en venant des Bahamas, on a fait quelques autres activités que je vais vous montrer. Mais j'ai eu un gros contrat de photo scolaire, fait que ça occupait beaucoup de mon temps. Et tout de suite après, pour avoir une stabilité, ben, j'ai voulu faire un autre emploi qui se trouve être gérant dans un Yellow. Je suis retourné dans les boutiques. En fait, ceux qui me connaissent, c'est ça. Je suis retourné carrément dans un domaine que j'avais déjà travaillé puis que j'adorais et que là, je fais. Donc, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, ben j'en fais un. Puis voici les raisons pourquoi. J'ai juste fait des films de temps en temps sans les mettre en vlog. Drive on the left side. Yeah, on the opposite side. Well, I don't teach my children that, but that's what they say. But Christopher Columbus, he met the Arawaks here. But I guess they gave him credit because he was the first person to document it. Okay. So, yeah, they say he discovered it. That's Bahamar. Bahamar? Bahamar. So it's a new resort, started building about five years ago. Okay. And they just opened it April 21st this year. Wow. Yeah, so it's something new on the Cable Beach Stretch. On a terminé notre voyage, on revient à l'aéroport, on est jeudi, on a retrouvé notre température de mal qu'à Montréal. Il fait vraiment beau, il fait vraiment chaud ici, c'est un beau pays. Malheureusement, on n'a pas pu le voir tout au complet parce que contrainte d'horaire. Mais on avait hâte de revenir par exemple.
surprise, vas-tu t'acheter quoi? Mm-hmm. Prends-tu quoi, finalement? Non. Mm. Oh, t'as volé, là. Fait, j'imagine qu'on embarque là, B22. Ça. Tu vas recharger ton cellulaire, il y a des plugs. Toi, tu vas recharger ton cellulaire. Non, il n'y a pas de plug. Ah, tu peux prendre ça si tu veux. On retourne à Montréal dans à peu près une demi-heure. On part des Bahamas, on part de Nassau, on est à l'aéroport en ce moment. On part de Nassau à Toronto. De Toronto, on a une escale d'une heure et demie pour se rendre ensuite à Montréal. On va arriver vers les 2h du matin. Puis ça va nous faire du bien, ça va être pas par exemple, parce qu'on va se remettre dans la température de la pluie, de la marde, tout ce qui s'en vient avec. Parce que nous autres, on a une semaine qui fait super beau, super chaud. Ça va être une claque d'en face, mais qu'on revient demain matin et qu'il va mouiller. ABC. OK. Là qu'on va? 21 ABC. Oh, it is, okay. Tu peux y aller si tu veux. Ben, tu vas être à côté de moi, tu vas être à côté de lui, il va être à côté de toi. Ça prend tout mon petit change pour être juste ici en haut. C'est f***ing haut. C'est pas si pire parce que je suis de soir, fait que la perspective est différente.
Mais ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai le vertige big time. Vraiment chanceux d'être capable de faire ça en ce moment. Wow. OK. Je trippe pas trop, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. On est en direction pour la tour de Seine. On s'en mange au restaurant. On s'en va avec Cole pour les... Yeah! Essayez de poigner les deux en même temps, c'est un petit peu difficile. On va poigner on va se poigner les quatre. On s'en va, puis là on fait un... Yeah! We'll be right back.
Vincent. On l'a bien gratouillé. Ben non, ça fait pas peur. Ben, viens voir. Là, je m'en vais voir Star Wars avec Yann Thériault.
On s'en va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, fait qu'on va aller faire une petite soirée en boys. Puis par la suite, ben, je donnerai mon appréciation du film. Thério, il a tellement d'argent pour aller dans les oliviers. Christy, il n'a même plus d'argent pour payer son film lui-même. J'avais oublié Guzzo. Guzzo, ils prennent pas la carte de guichet. Oh. En 2017, ces tacs-là, ils prennent pas la carte de guichet. Ça n'a pas de sens. Copieur. Je suis dans les toilettes d'un McDo. Puis moi, pour moi, la priorité, c'est que ça soit super propre si je veux manger. On n'a pas le choix, on va y aller. Puis une autre affaire aussi bien importante, c'est le séchoir pour Yann. Ça, c'est mon séchoir. Parce que le format petit. Hi, Yann! J'arrive d'aller voir Star Wars avec Yann et puis est-ce que j'ai senti le même engouement que celui de là, 2 ans, l'épisode 7 finalement? Pas Rogue One mais l'autre d'avant. Non, pas du tout. J'suis comme un peu pas déçu parce que c'est un bon film, mais est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le meilleur de la gang? Ben non, pour moi ça a été un film... J'ai adoré les effets spéciaux. Il y a des images qui sont hallucinantes. Ça a été bien filmé. Il y a plusieurs tangentes dans le film que tu penses, ah, c'est pour ça qu'ils vont faire ça. Il y a plusieurs directions que tu t'enlignes. Puis c'est bon comme ça. C'est pour ça que je dis, à des moments, c'était bon. Est-ce que c'est mon préféré? Non. Mais c'est ça. Ça a été une super belle soirée, moi et Yann. On a vraiment on a parlé de toutes sortes de choses. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je dirais même depuis cet été. Et puis, pour moi, voir Yann, c'est... j'admire beaucoup ce gars-là. Je lui ai même dit tantôt. J'admire beaucoup ce qu'il fait. Yann est un artiste qui est complet dans tout. T'sais, autant qu'il peut faire des super beaux dessins, mais autant que son vlog est pour moi un très bon vlog. Son podcast est excellent. Déjà 6 ans, 7 ans qu'il fait son vlog. Pas son vlog, mais son podcast. Donc pour moi, c'est un artiste accompli. Malheureusement, on n'a pas grand temps de se voir. Lui de son bord, on n'a pas les mêmes jours de congé. Fait que ça joue un peu dans l'horaire. Donc, mais j'adore ce gars-là. J'aimerais ça travailler avec sur plein de projets. Et ben c'est ça. Fait qu'on a passé une super belle soirée. Puis, ben ça fait juste du bon.